soi. Moi salue ou même qui pourra regarder vidéo ça dans mon grand Dieu Jéhovah. Moi espère que ou bien famille ou bien. C'est ça qui est bien important. Et moi déjà dit vous merci. Merci encore une fois pour parce que vous pouvez l'abonner après vous finir regarder la vidéo. Merci parce que vous pouvez le commenter. Merci parce que vous pouvez le faire vidéo en like. Je dis encore, c'est toujours même ami ou Fredo Service Réfrigération qui peut être en contenu pour vous. Comme ça, nous pouvons l'apprendre ensemble. Et comme ça tout, au poil ouais, yon bagay qui vous connaît en plus de ça qui vous êtes capable de connaître au sujet des réfrigérateurs qui vous êtes capable de gagner en pile temps ou à utiliser. Et bien, principale question, je dis, nous poil éclaircir à chaque fois, peut-être qui compte dit. Ou bien qui pourra le dire, ou bien qui compte de un petit de un réfrigérateur, du moins c'est une réfrigération domestique. Nous parlons de un air conditionné, nous parlons de un freezer ou freeze, j'en ai capable de dire, ou bien un frigidaire. Et bien je dis à nous vini avec yon vidéo en image de diagramme schéma ou bien j'en suis capable de connaître là qui dessine mode de fonctionnement ou bien site de réfrigérant dans yon réfrigération domestique. Question à qui s'allier. Est-ce que gaz est un réfrigérateur confiné? Eh bien, je dis à nous, pour le partager une idée ensemble avec vous, et comme ça, après que vous finissez la vidéo, vous pouvez connaître pour qui ça, vous pouvez dire gaz fini, est-ce que vous avez bien dit, est-ce que vous mal dit? Eh bien, nous pouvons commencer à expliquer un peu de ce réfrigérant ça. Ça nous regarde là, c'est un système de réfrigération que nous dessinons dans un papier pour capable puis bien gens qui sont capables de comprendre des explications que nous avons. Ça nous gagne comme moteur composé à qui dans frigidaire ou bien dans freeze que on utilise par exemple mes moteurs par exemple moteur ça moteur dessiné tout de pain ou bien fabriqué disons tout de pain type de frigidaire ou bien freeze yo pour l'installer le soleil par exemple les ou capable de dire gen moun qui dit ça tout et gaz frigidaire a fini comment gaz là fait fini. On qui pas connaît a toujours dit gaz a fini mais l'eau bien gardé est-ce que oui gaz fini et si oui pour qui ça et si gaz n'a pas qu'on fini non pour qui ça non pas l'expliquer ça c'est un moteur compresseur
ok, ou après, si tout ça c'est un tuyau, haute pression qui allait dans le condenseur. Par exemple, condenseur, c'est criage qui ouait des deux frigidaires. Gagner condenseur postérieur, par exemple, des deux frigidaires. Gagner un condenseur qui est capable à l'intérieur du corps frigidaire. Gagner un tout qui est placé par en bas frigidaire qui est être comme invisible, c'est sous qu'on est ou à kawé condensé à placer en bas frigidaire. Ça, c'est nous dessiner comme évaporateur, partie qui fait glace là. Et si cylindre ça qui est ouvert, ou à faire expérience, si ou à garder ou à voir des doules, qui ont dit fil désintraté. Comment gaz la circule pour ta dit gaz la fini ou bien gaz la pas fini? Là, gagne yon tube ou bien yon tuyau qui relè valve de charge, par exemple, qui vini avec yon valve de charge. Valve de charge là, li gagne par exemple, en dans valve de charge là, ou après qui gagne. Yon ti valve meni ke sou pese li van ap soti ou bien l'air ou bien kelkon gaz ke ou mete nan mote compresseur ap soti. Ki kote ti valve sa sitye nan mote compresseur? Mote compresseur genye yon tuyau de antre, par exemple meti yo sa. C'est là que on peut le mettre tout temps lui-même li vini dans tuyau qui pour compte li parce que moteur a gagné trois tuyaux. Un tuyau de charge côté que on peut mettre valve de charge là ou bien valve de service là que on peut le mettre là ou peut le mettre sous de là et puis on va garder l'autre deux tuyaux parce que c'est trois tuyaux là toujours bien. Des fois les frigidaires à venir de maison ou bien de fabrique, ils fabriquent les vini sans valve de charge. C'est-à-dire les mettre réfrigérant là-dedans, ils juste pressionner tuyau et puis ils couper juste yo soudel li même li pas venir ensemble avec valve de charge et quel que soit côté ou yon valve de charge dans yon réfrigération ou bien non frigidaire quelconque li réparé déjà yo pas réparer sans yo pas mettre valve de charge là dedans faut que yo mette et s'il fait de maison côté ou yo fait là yo pas mettre valve de charge là dedans là juste mettre yon tuyau là dedans yo pesé tuyau a non c'est une autre façon pour capable comprendre yo pesé tuyau a les fin charger le réfrigérant et puis yo soudé pour tuyau. OK, là encore ou joindre entre deux tuyaux ça yo qui sous bord gauche des fois va décharger la convini dans bord ça des fois il convini dans bord droit mais le plus souvent valve de charge là toujours vini à gauche pendant on garder comme ça la vini dans bord ça dans bord gauche là et on joine l'autre des tuyaux yo vini dans sens à droite. Gen un tuyau comment ka identifier ça qui aller dans condenseur et gen un dans tuyau qui sorti dans évaporateur comment ka identifier ça? Si yo kale nan condenseur a ap toujou pipiti ke ti yo ki soti nan évaporateur. Tout temps c'est comme ça l'ap toujou quel que soit sous et appareil réfrigération ti yo ki soti nan évaporateur toujou pi gwo ke ti yo ki ale nan condenseur. Ti yo sa c'est li kap ki vini la par exemple.
li sorti là, li fait ça, li aller dans condenseur. Et les wap mette, par exemple, ou ta wap mette, yon moute, si yon ki soti nan moute a pa ka vini la, nan bati sa, pou la fè schéma, schéma sa, li pa bon. Se pou l vini la, pou la le yon ti jan tout doat, se jis pou pression moute a kapab akselere ou bien ekilibre nan fason, pour capable faire condensation. Par exemple, l'aide de gaz là sorti dans moteur compressé a comprimé gaz là à l'état gaz, à l'état gaz li monté dans évaporateur, dans condenseur disons, excusez-moi, li fait premier parcours. Il fait deuxième parcours, ça yo c'est un tuyau haute pression et haute température. Pendant moteur a comprimé l'air gaz qu'il a dedans, il sorti avec une chaleur tout autant que l'a monté, l'a chaud et tout autant que l'a descend tout, la petite température, il monté en gaz. Tout autant que l'a viré comme ça, l'a viré, l'a fait chez massage jusqu'à ce qu'il revienne au niveau que l'ivine commence à perdre température et il commence à transformer en liquide jusqu'à ce que l'ivine dans fil désintégré. Jusqu'à ce qu'il arrive dans fil désintégré. OK, des fils désintégrés ça ouais des deux frigidaires un petit bout de cylindre. Li genye yon fil ki rele kapila. De kapila, gaz la konya li toune likid. De soti nan moutè kompresè ya pou fè pakou sa nan kondansè ya, li komanse a pedi temperatur ou temperatur ki li genye pandan la fè pakou nan kondansè ya. Le rive yon degré, li vin transmèt ou transformé en liquide. De liquide là, li passe dans fil ça, c'est de manière que pour fil ça wol li, c'est si toutefois gagné humidité qui était dans condenseur et puis la rivé là-dedans, si gen ti fatra, y a rete dans fil là, dans fil désintégré là. Des fils de centrateur parce que ti tuyau ça sont ti tuyau qui capable mesurer de 0.33, 0.28, 0.31 tout dépend des types de moteur li gen type de ti tuyau ça ou bien contrôle de liquide ça li marcher avec et fil de centrateur ça tout gen moun ki ka mete n'importe gens mais qui doit gen même rapport tout dépend des mode de fonctionnement compresseur ou bien numéro compresseur. Faut que toutes les trois ça yo marcher ensemble tout dépend des compresseurs. OK, des fils désintégrés ça gaz là déjà fait parcours dans condenseur vient tourner liquide. Li passé dans capilla ou bien contrôle de liquide ça, li entré dans évaporateur en liquide. De température de bas température. De bas température ça la fait parcours qui en dans évaporateur tout autant que la fin fait parcours la privé en degré qu'elle vient transformer en gaz encore. De gaz là li passer dans tuyau qui pour venir comme des du cabion tuyau gros tuyau par exemple gros tuyau ça c'est là dans la vient descendre en gaz disons la descend en gaz retourner en dans compresseur encore pour compresseur comprimer l'air ou gaz là pour voyer li dans condenseur encore successivement jusqu'à ce que énergie électrique là sorti dans moteur compresseur l'a camper mais tout autant qu'il part camper c'est un
mouvement va et vient. La voie gaz là dans condenseur, des condenseurs li passer par fil des intratéa, des fils des intratéa li entrer dans capilla ou bien contrôle des liquides là, li rentrer dans évaporateur, li fait parcours dans évaporateur et puis il retourner encore dans moteur compresseur. OK. Ça c'est une explication bref que m'baou nan façon que ou capable wè cycle réfrigérant compresseur ou bien cycle réfrigérant et un réfrigérateur à disons. OK. Tout ça yo gen moun ki confond évaporateur avec condenseur. Condenseur c'est grillage qui dè do frigidaire. Si cylindre pour ti bout de fer comme on te ka di ou derrière do frigidaire c'est un filtre désintraté ti tiyo ki ou ki adapté entre filtre ou bien fil désintraté avec condenseur c'est capilla ou bien contrôle de liquide. OK, comment nous capable di et frigidaire ou bien gaz la clade nan fini ou bien li ale. Mwen ka pi vite d'accord gaz la échappé ki fini. Gaz yon réfrigérateur ou bien yon réfrigération ka fonctionner pas capable fini. Comment gaz la pou même kel ka fini? Nan montage entre moteur condenseur filtre désintraté capilla et évaporateur parfois quand yon flûte jan ke capable comprendre yon flûte pour capable comprendre plus clair entre soudure qui soudé par exemple condenseur avec filtre désintraté entre là et lui-même capable gion filtre on flit disons flit là capable là et entre contrôle liquide ça ou bien capilla qui soudé entre fil désintraté à capilla capable gion flit disons. OK, ça fait pas mettre évaporateur à capilla capable gion conflit c'est parce que le plus souvent évaporateur vini à toute capilla c'est pas le plus souvent évaporateur toujours vini à capilla en cas où capilla ça t'a bouché des fils désintraté à évaporateur yo capable gion échange capilla ou ka remplacer par même diamètre capilla gien au comprendre ça veut dire pour ta gion flit faut se yon nan pati sa yo pour ki ta flité par exemple gen moun ki kon pike évaporateur pendant y a retiré glace nan frigidaire la gaz la ou ka toujours dit c'est gaz la ki ale ou bien ou di gaz la fini mais gaz la pa ka fini 30 40 ans gaz la ka toujours été a marché avec frigidaire que vous avez utilisé. Mais sauf que si vous piquez évaporateur ou bien ta va gagner entre fil désintraté et capilla ka gagner un flit côté technicien ka soudé à temps ka vinn fait li gagner un flit là-dedans. Et c'est comme ça tout à temps fil désintraté à casal li bouché depuis le bouché li pas glacé rien du tout dans évaporateur comme ça contrôle de liquide là tout ca bouché li pas glacé rien du tout dans évaporateur laisse ça ou capable de ces gaz là qui aller mais non gaz pas qu'on aller sans flux c'est même gens ca ou ca mettre un caoutchouc plein d'air Jean que mette la sil pa gen un flit la dan la prete jusqu'à ce que li ka pourri même et c'est raison ça fait
gaz yon frigidaire pa kon ale sans avoir qu'il pa gen yon frit la dan. Depuis ou e frigidaire pa glacé encore, te kon glacé l pa glacé, c'est toi cause ce soir li gen yon frit la dan ou bien fil désintraté à sale ou bien capilla ou bien contrôle de liquide la bouche. C'est seulement ça qui a fait un frigidaire ou bien un air conditionné ou bien un freeze pas glacé encore. Ou bien l'autre cause qui plus grave, moteur compresseur a bloqué. Si moteur a pas marché disons, il pas fonctionné. Et parfois tout, li kon gen pa marche a kon soti nan klikson ou bien nan relè ki kon adapte nan moteur compresseur. Si moteur a marche, li pa glase, te kon glase, li pa glase, se toi koz ki fè sa. Se swa gen yon flit au niveau de kondansè a ou bien nan évaporateur ou bien nan tuyau retour gaz nan compresseur et comme ça tout li ka nan tuyau qui mène gaz nan condenseur. Ça veut dire quel que soit côté lié li conflit c'est un flit qui lié, c'est-à-dire si fil désintraté a bouché à travers temps parfois des un technicien qui a porté des négligences et puis qui a quitté et quelques petits poussières en termes de soudure qui capable de tomber dans tuyau qui entre dans fil désintraté qui capable de boucher contrôle de liquide là ou bien capilla qui mène gaz dans évaporateur. Ça veut dire c'est seule façon ça si frigidaire a marché li pa glacé, c'est seulement façon ça yo qui capable faire li pa glacé. Premièrement, gagner yon flit. S'il pa gagne un flit, c'est fil désintraté a qui bouché. Si fil désintraté a pa bouché, c'est soit capilla ou bien contrôle de liquide la bouché. Et fil désintraté a pas ka boucher pour capilla pas boucher. Le plus souvent depuis fil désintraté a boucher parce que c'est à travers li liquide la passé pour entrer dans contrôle de liquide là ou bien capilla pour aller dans évaporateur. Ça veut dire des fois contrôle de liquide là depuis le boucher ou capable mettre pression dans évaporateur à travers tuyau retour gaz dans compresseur ou bien que vous mettez pression dans capilla pour capable déboucher pour le refonctionner. S'il pas déboucher ou ca faire remplacement qui gagne même diamètre de contrôle de liquide qui était là dedans déjà. Et bien c'est comme ça zanmim mwen yo que ou capable te dit ça déjà dit frigidaire gaz li fini. C'est vrai un moteur compresseur marché avec l'huile et gen mak l'huile qu'elle utilisait qui utilisait la donnée et type de gaz qu'elle prend et à combien de vols li fonctionner. Par exemple moteur ça son moteur Embraco yon H et yon PH ka di yon HPO qui marche avec gaz R134, un moteur compresseur qui marche avec gaz R12. Ce sont des moteurs qui ont construit dans
bon petit temps de cela et qu'on a gagné qui marchait avec EA600A. C'est dans nouvelle technologie MVTA qui oui. Ça veut dire tout moteur ça yo yo marcher avec un gaz différent et yo différent de chaque appareil de réfrigération. Et bien amis, c'est comme ça ou même qui qu'on dit gaz fini dans un frigidaire, gaz fini dans un freezer ou bien gaz fini dans un air conditionné. C'est vrai, l'air pas gain présence gaz là, ou ka toujours dit c'est fini le fini. Ou ka toujours dit c'est fini le fini, c'est vrai, mais si pas gain un fluide, si pas gain non, tant que si filtre ou bien capilla pas bouché et même si yo ta bouché, gaz là a toujours été dans système là. Ou après compresseur a toujours marché même si gaz l'a arrêté dans système là. Mais sauf que accès de libération ou bien et système va et vient gaz l'a doit faire li pa fèl. Et gen plusieurs façons que ou capable tester si c'est fil désintraté a qui bouché ou bien si c'est contrôle de liquide là qui bouché. N'a vini avec l'autre vidéo comme ça qui est capable faire une étude approfondie et capable pouvoir des bagages qui capable bien important et comme ça qui est capable apprendre parce que quel que soit sous l'âge que vous t'es qu'à mourir ou mettez mourir vieil à des 200 300 années ou pas jamais fin apprendre. Et bien c'est ça que fait moi dire vous merci parce que ou te prend temps pour te garder vidéo et moi quand même ou ka pas choisi di gaz frigidaire a fini mais on capable di on l'autre pareil à travers explication que m'barou dans vidéo ça. Et bien c'est toujours ami on l'autre fois encore service réfrigération, c'est Fredo. Nap riwe ou bien nap retande encore dans prochaine vidéo. Moi espère lo fin tande vidéo ça que ou ka partager la aux amis, que ou capable abonner à channel la comme ça que l'ennemi ti on l'autre vidéo comme ça que ou capable ouè l'autre bagay que ou pas connaît. Et c'est comme ça tout te ka wè yon bagay ki ou te konnen déjà et qui vin nou l'autre forme. Merci parce que vous partagez, merci parce que vous abonnez, merci parce que vous like vidéo. Moi espérer nan nou Jésus que nous va attendre nan l'autre vidéo. Moi souhaite famille ou bien zami ou bien. Ou bien, c'est ça qui est plus important, n'attendez pas l'autre vidéo. Que bon Dieu bénisse.